c'est sans sécurité. Le jour qu'on annule, les mecs se tirent dessus pour des petites conneries. Quand on regarde dans les journaux à la télé, de fleurs qui s'entretuent, c'est ça la rue, secteur contre secteur. Faites ici comment ça peut, un revolver chargé de munitions. Fais-tu combien, tout le monde part en mission, tout en oubliant, on est tous du même sang. Pas peur, on perd la danse, une balle perdue, pas ma chance. On se retrouve sur pied sous terre dans un cimetière, en laissant des rires de meurs qui pleurent. Alors c'est ça le nouveau millénaire, l'enfer sous terre. À chaque coin de rue, un innocent se fait maltraiter, bouteille de bière éclatée. Quand viendra la paix dans le monde et dans nos quartiers, la violence se multiplie jour après jour, on prie pour que ça change, rien n'a changé. C'est le temps de s'allier pour avancer. Le FF, le drapeau rouge et bleu levé, c'est à nous de lutter. L'union, la force avait abattu le tronc et les racines. Yo, what's up, Spike, man? Yeah, what's up, what's up? Cap fait, man. Ah, nègre, oui, chilling, nègre. Chilling. Tout le temps, tout le temps. Yeah, yo, change une entente, les nègres cap plus bécan, bye. Ah, BMX. BMX, bye. Mais kounya, c'est BMW, faut nègre gain, on comprend? Ah, nègre besoin machine. Machine, fait l'argent rentrer, bye. Faut nègre fesse, bye. Sérieux, on comprend? Oh, tout le temps. Bye, soit fait, c'est l'eau, fait le bien, on comprend? Ah, fait le bien. Ça, yo, nègre besoin quoi? Fait l'argent rentrer, tout ça. Et si, combien, nègre besoin quoi? Nègre besoin fait l'argent. Limité, la Z, Gis, Galif, Smonté, Vaz, B, Prends, Gus, fais l'argent rentrer. Quand qu'on monopole, nos cases, nos cash flow. Pas de dédain, c'est quoi qu'on met, c'est n'est toujours clean. Y'a le compagnie, les sujets, quand qu'on fait. On est des manitas, pas d'un sur les colombos. C'est un beau sale, pas qu'à détecter. Moi qui réagis, calme, saute sur la gage. Je suis munition, quand qu'on est 07. J'ai les pecs, sur gadget, étoile 67. N'a texte, c'est moi qui me tease, avoye flèche. Y'a hors contexte, j'ai besoin de bad hôtel. Y'a pas qu'on est les cacas, on met sur architecte. Que je sous travaille, quand qu'on vient de fourmi. Travaille comme fourni, fondé en famille. Pas qu'à plus sanguine, pas plus que le chéri. René, ça va être après, c'est plus sur le coup. Make money, money. So flip it, so flip it, so flip it. So what we say is that we don't back up it. Come on, come on. So flip it, so flip it, so flip it. So what we say is that we don't back up it. Come on, come on. Time to change, bruh. World is different. Time to change, bruh. Time to change, bruh. Time to change, bruh. Time to change, bruh. World is different. Time to change, bruh. 2-0-0, Negro. Fanatique en mine, grêlée. Ah ouais. Nous rivés n'importe. Tapis rouge, tant qu'on presse. Yo, ça fait là. Libesin passé, vitesse, vitesse. Yes. Libesin passé, vitesse. T'as que l'ombre en papier bois. T'as même frais. Eh, climatisé, ton portrait, c'est pas frais. Qu'est-ce qui j'en gilet. 2-0-0, Negro. Compte time, n'en compte qui l'est fait. Québécois, garçon, attention. T'as que ma chante glaçon, mais faut faire glaçon. T'as que soleil, moins chaque, moins le fond. Micro, pas rouge, j'allais pas passer dans bouchou. C'est Kainek, comme un bouchou. Bounanini, Fox, Savini. MC, besoin, bla, 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 talk shit. Faitless, rigal, code, gâché. Yo, l'ex, moins bon, tant que j'suis cocoyé. Moi, la gueule, n'a fait noir, cocoyé. Yo, yo, pratique, combé, drillé. Oh, Joubou, non, l'aide, on connaît nous trois frères. Ha, comment ça, 2-0-0, nous trois frères. Sans flipper, sans flipper, sans flipper. Sans appeler, c'est une fête. Écoutez les gars, je vous l'ai déjà dit, si vous ne retournez pas à l'école, si vous ne lâchez pas la drogue, vous allez tous ruiner votre vie. Et ça, que vous me croyez ou non. Mais lorsqu'on regarde les effets de la drogue, ils sont très néfastes. Vous savez tous qu'est-ce que la drogue peut faire. Pour qui tu bois, toi? Pour le pasteur du quartier? Pour le petit Jésus, peut-être? Non, c'est pas pour moi, Alice. Ah bah, t'es là. Samuel! Samuel! Nous allons être en retard à l'église. Cet esprit,
Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous allons aborder un sujet très délicat. Comment réinventer l'Esprit de Dieu dans le cœur des hommes du 21e siècle? Bien-aimés, il vous arrive souvent d'oublier l'existence de Dieu dans votre vie parce que vous vous laissez trop envahir par une peur, une peine, une souffrance, une frustration ou une révolte. Cependant, vous oubliez souvent que l'Esprit de Dieu qui vous anime a la réponse à tous ces problèmes. Amen! De nos jours, frères et sœurs, nos jeunes sont désemparés. Ils sont comme un bateau dont la boussole a perdu le nord. Parce qu'ils cherchent la solution de leurs problèmes dans la délinquance. La déviance, la violence, la prostitution et la criminalité. Face à toutes ces incompréhensions, frères et sœurs, on se demande comment replacer l'Esprit de Dieu, comment le réintégrer dans la vie de ces hommes aux cœurs endurcis. Bien-aimés, la vie spirituelle est une dimension essentielle de l'être humain. Il faut faire l'expérience de l'aventure de Dieu. Et faire l'expérience de l'aventure de Dieu, c'est s'actualiser dans cette aventure avec Dieu. Amen. Amen. Partout, prêchez bonne nouvelle. C'est ça, Jésus demandé. Pour nous, il y a une belle. Tout ça qui obéit, il n'y a pas de paix. Tout ça qui pas les croire, il n'y a pas condamné. Les bons dieux. Assieds-toi.
salut. T'as l'air découragé. Tu veux dire tranquille? Ah, c'est la même chose. Excuse-moi, ma mère ne voulait pas que je sorte de la maison. Les mères haïtiennes sont toutes pareilles. Elles veulent toujours garder leurs enfants en captivité. Elles ne comprennent rien à rien. Nous sommes au Québec ici, pas en Haïti, voyons. Pardon? Elles sont trop possessives, man. Elles font trop de soucis pour leurs enfants. Ce sont des mères poules. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas entre elles et toi? Pour elles, je suis plus comme avant. Oups là, c'était la même chose pour moi. Ma mère voulait me rendre dingue à la maison. Ah oui? Mais oui, man. N'arrêtez pas de me casser les oreilles avec ces charabia. Nous allons à l'église, James. Nous allons à l'église. Me rendre tous les dimanches, c'était l'enfer pour moi. Je me demande comment tu fais pour rester 2, 3, 4 heures dedans. Tu blasphèmes, James. Dieu te punira. Toi aussi, tu es un fanatique. C'est contagieux, cette affaire. Passons. Il est où, hein, maintenant, ton père? Au moins, il s'en occuperait. Je vois pas le rapport. Écoute ça, man. Ce que je vais te dire, là, ça marche à tous les coups. Quoi? Dis à ta mère, c'est à cause d'elle que ton père a quitté la maison. Elle te foutra la paix à jamais. Mais non. Ma mère n'a rien à voir avec le départ de mon père. Là n'est pas la question. Tu veux qu'elle te foute la paix? Oui ou non? Oui. J'aimerais bien. Je veux pas la culpabiliser non plus. Comme ça tente, man. C'était juste une suggestion. Afin de cacher la haine qui se trouve dans le cœur de mien pour le meilleur à l'endemain. Parce que le sang qui coule en moi est le même que tous mes proches. Tous du même sang, on est tous du même sang. Tous du même sang, on est tous du même sang. Équipage de la même galère, tous du même sang. Tous du même sang, on est tous du même sang. Tous du même sang, on est tous du même sang. Équipage de la même galère, tous du même sang. Mère en sanglots, son fils vient de la quitter. À cause d'une guerre de rue qui ne semble vouloir s'arrêter. Secteur contre secteur se font la guerre. Les rues dégagent une puanteur, une sale odeur, un goût amer. Les gars sont armés jusqu'aux dents. Et ce uniquement pour voir couler le sang. Beaucoup d'innocents sont tombés comme des moucherons. À cause d'une balle perdue dans la mauvaise direction. Les justices sont une peur qui m'envahit. Ou tombe questionné, sous sa yo raconté. Pression la vie, à qui laissons dire. Sorti pour faire perdre du crédit. Je t'en supplie, ne dis pas que c'est fini. On a trop de souvenirs. Tu restes encore mon seul désir. Où tu me parais bien ou encore? Où tu n'as pas besoin ou encore? Toute la journée ou à parler ou oh. Ou pas n'en qu'aime chérie. Moi qu'on fait c'est tout péché. Son façon vous t'aime. Et voilà, ça commence. Elena, à qui tu parles? Qu'est-ce qui a commencé? Maman, il est près 11h du soir et Samuel n'est pas encore entré. Ce n'est pas dans son habitude d'agir ainsi. Ne t'inquiète pas, Elena. Samuel sait bien ce que tu souhaites qu'il fasse. Maman, nous sommes dans un quartier de très mauvaise réputation. Un quartier où il y a beaucoup de vendeurs de drogue. Oh, ça c'est ce qu'on dit, ma fille. Mais c'est la vérité aussi, maman. Je n'ai pas peur pour Samuel. Maman, vaut mieux prévenir que guérir. Je n'en doute pas. Mais je ne suis pas inquiète pour mon Samuel. Ah bon? Tu n'es pas inquiète? Comment veux-tu que je ne le sois pas, moi? C'est quoi ça? Un joint, man. Tout le monde en prend. Il n'y a aucun danger. Tant que tu n'en feras pas tout le temps.
Ça te rapporte quoi de prendre cette affaire, sinon que de déranger ton cerveau? Ça me rend cool, man. Cool. Oh Seigneur, Samuel, tu vois ce que je vois? C'est la vie, Sam. Tu sais, dans le temps d'Apollo, pour aller sur la Lune, les autres ont construit la navette pour s'y rendre. Moi, là, man, je me suis rendu sans la navette. Ouh. Eh bien, c'est malheureux de le voir ainsi. T'es pas mon père. Laisse faire tes conseils. Vas-y, t'as le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Pour comprendre à quel point cette chose est merveilleuse, Samuel, faut que t'apprennes, man. Continue sans moi. Tes jours sont comptés, mon vieux. Soit pour aller en prison, ou soit pour te faire tuer par tes copains. T'es direct, man. J'aime ça. T'es un bon gars. Un gars correct. Mais dommage. Pourquoi dommage? T'as rien pigé, man. Je voulais te faire quelque chose que ni ta mère, ni ta grand-mère, ni l'église seraient donnés. La puissance, la sécurité, la solidarité et l'argent. Pour bénéficier de tout ça, il suffit tout simplement de te mettre avec nous. Avec vous, mais comment? En esprit, en chair, man. Je suis? Non, tu l'es pas. Écoute, c'est dit dans la Bible. Si tu veux être sauvé, il faut y croire. Et si tu y crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en notre philosophie et tu seras accepté. Mais sans l'ado, tu peux pas, man. Mes copains me feraient la peau. Ceux qui décident de tout dans le quartier. Tu vas leur dire que je prends pas de l'ado? Tu me compliques la vie, Samuel. Comment ça je te complique la vie? Je suis chargé de t'aider à intégrer le groupe. Ah bon? Vous êtes de quel secte? Samuel, je suis sérieux. Que veux-tu dire alors? Pour faire partie de nous autres, faut que tu prennes l'ado. Que ça soit de la marijuana, de l'héroïne, de la cocaïne, du hashish, du cannabis sativa. Cannabis sativa. Bon sang. On dirait qu'on est en Espagne, à l'intérieur du Québec. Non, en Asie, man. Cannabis sativa est une plante qui vient de là. Et chauve indien veut dire la même chose. Tes copains se prennent pour des forts. Pourtant, ils sont tous des jeunes de courte vue, sans but, sans objectif. Ils se laissent aller comme des aveugles qui se rôdent dans la rue. Écoute, la chance de réussir ta vie n'est pas dans la drogue ni dans le gang, mais dans les études et dans l'instruction. Samuel, Samuel, il n'y a pas un seul moyen de réussir dans la vie. Des honnêtes gens ont leur chemin et tout en emprunte le contraire. Tu compliques ton existence, James. Laisse-moi te dire une chose à mon tour. Cherche d'abord à vendre tes liens domestiques avec ta mère et affirme ton indépendance avant de venir me donner des conseils. Tu n'es rien. Tu n'es capable d'aucune initiative. Tu ne seras d'aucune utilité pour nous. Dis ce que tu veux, mon vieux, je m'en passe. Et ce que les autres font ne me regarde pas non plus. Samuel? Maman, grand-mère, vous êtes encore debout? Où étais-tu, Samuel? J'étais avec James. Je m'excuse, je sais qu'il est un peu tard. Mais qu'est-ce que tu faisais avec James à cette heure-là? Il me présentait aux copains du quartier. Qui sont-ils, Samuel? Des écoliers? Des drogués? Des proxénètes? Des vendeurs de drogue ou quoi? Maman, tu me dis toujours de ne pas juger afin que je ne le sois pas moi-même.
Et maintenant, c'est toi qui le fais. Le vase est débordé. Ça dramatise toujours les choses. Samuel, ta mère se fait du souci pour toi. Elle s'inquiète et elle a raison. Je vais bien. Maman, ne t'énerve pas. Personne ne peut jouer dans ma tête. Là n'est pas la question, Samuel. Si tu ne romps pas l'amitié avec ce garçon, je t'enverrai chez ton père ou bien à Haïti. C'est toujours la même chose avec toi. Va dans ta chambre, Samuel. Tu souffres, ma fille. Terriblement, maman. Et si Samuel continue comme ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Sérieusement, je l'enverrai chez son père. Mais ce sont les mères qui font l'éducation de leurs enfants dans notre culture, non pas les pères. Au Québec, ce n'est pas pareil, maman. Samuel, viens ici, il faut que je te parle. Une autre fois, je serai en retard. Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Je l'ai déjà annoncé à la direction. Quoi? Comment peux-tu faire une chose pareille? T'as pas le droit d'intervenir dans mes affaires sans me prévenir. Je suis ta mère. Pas il y a aussi longtemps que tu vivras ici chez moi, j'agirai de même et à mon gré. Si c'est cela qui te donne ce plein pouvoir, ben je m'arrangerai pour que ça ne se répète plus. Que veux-tu dire, Samuel? Ce que tu as fait là est de mauvais goût. Comment? Tu veux maintenant me faire la guerre, Samuel? Je ne veux pas te faire la guerre, mais j'aimerais que tu me fasses confiance et que tu ne décides pas à ma place. Sache bien qu'on ne peut faire confiance à quelqu'un qui se dérobe toujours à son devoir. Je suis ta mère. Tu es haïtien même si tu es né au Québec. Ma, mets tes bâtons en dehors. Sous pas d'accord, ma foutre voyage à Haïti. Ta conduite est inexcusable. Mais qu'est-ce que j'ai fait à part de rentrer trop tard à la maison hier soir? Je t'ai déjà dit de ne pas fréquenter James. C'est un vendeur de drogue, un désespéré, un raté. Il faut que tu réfléchisses, Samuel. Sinon, ça ira mal pour toi. Qu'il soit un dealer ou pas, il ne pourra jamais m'influencer. Je suis plus un gamin. Il y a un proverbe qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Pas souvent vrai, maman. Pas d'en fréquenter avec autant des Samuel. Mais n'est-ce pas toi qui me disais toujours d'aimer ton prochain comme toi-même? Samuel, je t'interdis de sortir avec lui. Tu ne m'écoutes jamais quand je te parle. Puis, il n'y a pas moyen d'expliquer quoi que ce soit avec toi. Samuel, je t'ai déjà dit de ne pas aussi la voir parler avec moi. Maintenant, va dans ta chambre. Non. Je préfère partir d'ici. Samuel! Samuel! Ça avance ou non?
Qu'est-ce qu'il y a, Elena? Samuel n'est pas rentré. J'ai perdu la bataille. Un seul garçon. En plus, mon unique enfant. Ne t'inquiète pas, Elena. Cet enfant a été instruit selon une juste voie. Il ne s'en détournera pas. Et je t'ai toujours dit qu'il est très mature. Mais Samuel n'est pas un adulte non plus, maman. Je sais. Mais sache bien qu'une plante trop arrosée ne prend jamais de force, ma fille. Laisse-le grandir. Il cherche sa personnalité. Il veut se découvrir. Ce n'est pas le moment de lui imposer ton autorité. Et rappelle-toi, il a une vie à vivre qui n'est pas du tout la tienne. Il doit vivre selon son âge, selon son époque, selon son monde et selon son milieu. Mais il n'est pas question de laisser Samuel bousiller sa vie non plus, maman. Arrête de faire du mauvais sang. Il sait ce qu'il fait. Et cesse de lui casser les pieds. Mais il faut que Samuel revienne sur Terre. Sinon, il va gâcher sa vie. Je ne comprends pas pourquoi Samuel a tant changé. Il rentre maintenant quand il veut, il ne fait aucun cas de mes ordres. Inutile de te dire combien je songe à quitter ce quartier le plus vite que possible. Es-tu sérieuse? À ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Mais n'importe où que tu sois, tu seras toujours l'éducatrice de Samuel. Le milieu ne changera pas grand-chose. Et cette fois-ci, tu le chicanes pour rien. Et comment, maman? Il mange, tu le chicanes. Il sort, tu le chicanes. Il est allé voir une pièce de théâtre, tu le chicanes. Ce n'était quand même pas une raison pour que Samuel rentre à une heure pareille. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Lynn Vachon. Que puis-je pour vous, madame Vachon? Je suis une intervenante auprès des jeunes. Vous êtes la grand-mère de Samuel? Oui, certainement, madame. Vous avez la voix d'une jeune fille. Merci. pourrais-je parler à madame Elena, s'il vous plaît? Malheureusement, elle n'est pas encore rentrée. Est-ce que vous voulez lui laisser un message? Peut-être juste lui dire que je... Je comprends, madame. Bien, je vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, maman. Bonne journée. Fatiguée. Oh, Elena, il y a une certaine Lynn Vachon qui t'a appelée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle va venir ici dans quelques minutes. Ah oui, pourquoi? Si je me rappelle bien, elle me disait qu'elle est une intervenante sociale au centre jeunesse Douglas. Voilà. Une intervenante sociale? Oui. Elle va venir te parler de Samuel. De Samuel? Maman, sais-tu quelque chose? Non, ma chère, je n'en sais pas plus que toi. Mais je pense que j'ai vu une carte dans la chambre de Samuel. C'est une intervenante auprès des jeunes en difficulté. Elle travaille à la DPJ. Hé? Pour
protection des droits de la jeunesse. C'est James qui l'a amené là-bas. Maman, si Samuel osait me traîner devant le tribunal, je te jure, je le nierai. Mais calme-toi, Elena. Ah, tu ne penses pas à ce que tu dis. Cette dame va passer ici dans quelques instants. Comme ça, tu en sauras davantage. Maintenant, tu devrais réfléchir à ce que tu vas lui dire. Je n'ai rien à dire à cette femme. Tu entends, maman? À Elena que vous êtes ici. D'accord. Mais Madame Vachon, Elena est très en colère de ce que Samuel a fait. Je voulais vous en prévenir. Entendu, Elena. Ben, je vous remercie de me l'avoir dit. Elena! Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Lynn Vachon. Je travaille au centre jeunesse de Douglas. Et vous voulez me voir? Oui, c'est concernant votre fils, Samuel. Samuel? Vous avez bien dit Samuel? Oui, madame. Qui êtes-vous déjà? Je travaille pour la DPJ. Je ne vois pas en quoi cela a rapport avec Samuel. Donc, c'est peut-être un choc pour vous, mais sur demande de votre fils, je suis venue vous expliquer... Vous m'expliquez quoi? Samuel est venu nous voir. Il nous a dit qu'il a des problèmes, puis qu'il est plus capable de vivre avec vous. Alors, vous avez donc décidé de venir jusqu'ici pour me dire tout ça? Madame, votre fils... Il n'est plus mon fils! Savez-vous, madame, que la loi sur la protection de la jeunesse intervient à plusieurs niveaux? Elle garantit la protection de l'enfant, sa sécurité, son développement, ses besoins et le respect de ses droits. Samuel n'a aucun de ses problèmes. C'est vous qui le dites, madame. Qu'on ne partons pas, jeune Nobel. Pardon? Samuel est mon enfant. Je le connais. Celui qui oserait dire qu'il pourrait assurer sa protection, son développement et ses intérêts mieux que moi, serait porté en frais de la loi. Pourtant, Samuel nous a dit que vous avez souvent menacé sa vie. Et comment? Je vous écoute. Samuel vous a-t-il dit qu'il est en danger chez moi ou privé de quoi que ce soit? Certainement. Et vous lui avez dit quoi? J'ai d'abord fait un travail d'évaluation. Ensuite, j'ai communiqué avec son école. Vous avez communiqué avec son école et puis? J'ai reçu un dossier complet de l'école. Bon, c'est sûr que votre fils a des très bons résultats. Ses profs voient toujours en lui un excellent élève.
Il est le meilleur. Raison de plus pour ne pas vous laisser boycotter mon travail. Mais ces derniers temps, votre fils manque de concentration en classe. Ses notes baissent continuellement. Ses profs, puis la direction de son école sont vraiment très inquiets de sa régression, madame. Alors que comptez-vous faire dans le cas de Samuel? Madame Elena, si je suis ici, c'est tout d'abord pour vous faire part de la plainte de votre fils, puis dans un deuxième temps pour essayer de trouver avec vous une solution, mais dans la mesure du possible. Quoi? Une solution? Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention conformément à la loi sur la protection de la jeunesse. Les enfants qui ont des problèmes, Madame Vachon, mais pas Samuel! 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 Excusez-moi, Madame Vachon. Où en êtes-vous maintenant dans le dossier? Qu'est-ce que vous voulez savoir, Madame Léa? Je veux comprendre votre intervention en particulier. Bientôt, je vais vous faire parvenir mon rapport. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Madame Vachon, vous n'êtes qu'un robot qui obéit aux ordres du système. Madame Léa, si vous savez la moindre petite chose qui ait pu causer des changements en Samuel, il faut me le dire. Je vous en prie. La seule chose qui est arrivée, c'est le déménagement pour venir habiter ici, dans ce nouveau quartier. Samuel n'était pas d'accord pour le déménagement? C'est ça. Une chose est sûre. Sa rencontre avec James y est pour beaucoup. Et ça, c'est un problème à régler et très vite, Madame Vachon. Vous y croyez vraiment? Certainement. Je vous remercie, Madame Léa. Merci beaucoup. C'est un complot bien monté. Elena, calme-toi. Nous devons trouver un moyen pour régler ce problème. Maman, tu ne comprends rien à rien. Ce sont les travailleurs sociaux qui font révolter nos jeunes. Bon, nous ne pouvons pas nous battre aux enchères pour Samuel, c'est votre fils. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de faire notre travail non plus. Quel travail? Chercher des opportunités et créer les troubles dans les familles avec votre système pour avoir du travail à l'année longue? Samuel ne veut plus vivre avec vous, madame. C'est une dure réalité, je le comprends, mais j'y peux rien. Le bien-être de l'enfant passe avant toute chose. Ah oui? Oseriez-vous prétendre que Samuel n'était pas bien chez moi? Non, essayez pas de mal interpréter mes propos. Bon, si vous le prenez comme ça... Je profite de l'occasion pour vous dire que Samuel, avec son apparence tranquille, c'est un jeune qui se sent blessé dans son orgueil parce que vous n'avez jamais su l'apprécier. Et la madame. Très bien, madame Elena. Si vous voulez jouer à la femme dure, vous allez être servie. Je vous attends avec les pieds fermes, Lynn. Oh, il n'y a pas de doute. Samuel mérite une bonne fessée pour ce qu'il a fait. Mais pour l'amour du ciel, vous deux, cessez de vous battre! C'est l'avenir de mon petit-fils qui est en jeu ici. Faites ce que vous avez à faire, faites-le vite et bien. Mais oui, mais la fessée, comme toutes les autres formes de torture, sont interdites au Québec, Madame Léa. Au contraire, Madame Vachon. La fessée est une forme de punition valable dans beaucoup de cas, surtout dans le cas de Samuel. Mais oui, mais comment pouvez-vous parler comme ça au sujet d'un adolescent?
Pensez-vous vraiment que ça va l'empêcher de faire ce qu'il y a à faire? Peu importe. Je n'ai pas l'intention de m'asseoir et de laisser une intervenante sociale décider de l'avenir de mon fils à ma place. Et j'ai pas l'intention non plus de laisser qui que ce soit m'empêcher d'exercer mon métier. C'est dans vos habitudes, vous, les intervenantes sociales, que le moindre incident familial prend dans vos yeux la grandeur de drame éternel. Bon, écoutez, je l'ai dit à tous les parents. Une famille en situation de difficulté avec son enfant peut nous appeler pour obtenir de l'aide et des conseils, mais elle ne doit pas attendre qu'il soit trop tard. Écoutez, madame, je n'ai jamais eu de problème avec Samuel. Mais oui, mais vous n'avez pas encore compris que c'est votre fils qui a porté plainte contre vous, madame. Et vous, madame, vous n'avez pas encore compris que vous n'êtes pas la bienvenue ici? Quel genre de femme êtes-vous? Qui êtes-vous pour me demander une chose pareille? Connaissez-vous Samuel, madame Vachon? Non, vous ne le connaissez pas. Mais moi, si. Pendant 9 mois, je l'ai porté dans mon ventre. Et depuis qu'il est au monde, j'en prends soin. Maintenant, vous prétendez le connaître mieux que moi? Sachez bien ceci, madame Vachon. Au 5152 rue Robbins, je suis la seule juge qui sait comment je dois traiter mon fils et personne n'est autorisé à me dire le contraire. Savez-vous vraiment ce qu'il veut? J'attends que vous me le dites, madame Helena. Depuis 16 ans, j'assume seule la responsabilité de Samuel. Qu'est-ce qu'une étrangère pourrait me dire à son sujet? Et j'ai assez perdu de temps comme ça avec vous, madame. Vous m'avez aussi fait perdre le mien. Mais je vous remercie quand même de m'avoir accueillie. Je vous communiquerai les résultats dès que possible. Oh, madame, est-ce que je pourrais amener quelques vêtements de Samuel avec moi? Qui ça? Ça, c'est son fier mot à passer! Merci. Bonsoir. Tu perds ton temps, mais ta mère ne changera pas. Il faut que tu prennes ta vie en main. Être capable de prendre tes décisions sans l'approbation de personne. Et toi, comment en es-tu arrivé là? Tout a commencé lorsque mon père a quitté la maison. J'avais à peine 5 ans. Depuis ce temps-là, ma mère a amené un pauvre crétin à la maison pour venir jouer le rôle de mon père. Ce gars-là était tellement sévère qu'il m'empêchait de respirer. À 15 ans, j'ai rencontré Pedro, qui m'a fait comprendre que je pourrais avoir une nouvelle famille. Une famille qui me valoriserait. C'est ce qui explique la drogue et le gang. La vie est une guerre, Sam. Pour nous qui faisons partie d'une même gang, nous nous unissons pour augmenter nos chances de réussite, pour nous protéger et nous imposer devant quiconque pense pouvoir se mettre en croix devant nous. Mais c'est pourtant le contraire que ton gang est en train de faire. Si un homme veut réussir dans la vie, le gang n'est pas le chemin à prendre. Quel est le chemin alors? Je te l'ai déjà dit, l'école et l'instruction. Écoute bien ce que je vais te dire, man. Depuis notre rencontre, tu n'as pas arrêté de me parler de l'école et de l'instruction. Ma mère et son petit compère ont eux aussi voulu faire la même chose. Et tout ça, c'est de la merde. Tu vis dans un pays multiethnique. Là, on peut choisir tout ce qui fait notre affaire. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont leur diplôme et ne foutent rien. Comprends-tu ça, toi? Je ne vois toujours pas pourquoi tu sombres dans la délinquance. La délinquance? La délinquance, dis-tu? Eh bien, je ne suis pas né délinquant. Ni choisir de le devenir non plus. Va voir ma mère et son crétin qui ont voulu m'imposer leur éducation. Va voir ta communauté et les autres nations qui me méprisent parce que je suis différent d'eux. Tu rends ton entourage responsable de ton malheur? Oui. Cette maudite société qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. James, chaque personne est responsable de sa vie, peu importe où elle se trouve. Tu ne peux pas me dire que ta situation est la plus heureuse. Samuel, arrête ton sermon, ok? Yeah.
15 bouteilles représentées 67 en tête, qu'un gros dragon à 4 têtes réunis, fait mettre cérémonie, campé sous dans la caille, un grand tueur à gage, ma garage, ça fait les rythmes profonds et large, fuck fame, combine nous rivés dans rap game, en forme sous microphone, un gros mat, et les m'dans, pour les next, les rythmes sont construits, qu'un gros architecte, 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 Saint-Michel. Un homme de race noire a été atteint de deux projectiles, l'un à l'épaule droite, l'autre logé à son thorax. L'individu, âgé de 39 ans, a été conduit d'urgence à l'hôpital Saint-Lazare, où les médecins ont constaté son décès. On vient de confirmer l'identité de cet homme, il s'agirait de M. Dieudonné Voltaire. Étant donné qu'il n'y avait aucun témoin sur les lieux, la police n'a pu effectuer aucune arrestation jusqu'ici. Toutefois, si vous avez des informations concernant cette fusillade, nous vous demandons de composer le numéro suivant. Le 514-396-1522 ou, pour l'extérieur, le 1-800-888-6325. Merci. Qu'est-ce que vous répondez? J'ai rien vu, man. J'ai rien vu. Que dalle. Man.
Que je vais faire maintenant? Ma vie ne vaut plus grand chose. Qu'est-ce que tu racontes? T'as rien de 21 ans? Je comprends pas, Samuel. Écoute. Maintenant, je n'ai plus de père, plus d'amis. Je suis pas avec ma mère. J'ai personne. Personne, Samuel. Non, James. Tu n'es pas seul. Je me suis chicané avec ma mère. J'ai quitté la maison. Je me suis rendu au centre de la jeunesse. J'ai parcouru tout ce chemin pour être à tes côtés. Uniquement pour être avec toi. Quoi? Tu as fait tout ça pour moi? Oui, James. Moi-même, j'ai pas compris comment j'ai pu faire tout ça. Mais je suis convaincu d'une chose. Dieu t'aime. Ah. Samuel. Comment peux-tu dire que Dieu m'aime après tout ce que j'ai fait? Samuel, je savais que tu allais revenir à la maison. Oh, Seigneur. Je n'ai jamais quitté la maison, grand-mère. Dieu soit loué. Oui, grand-mère. Dieu soit loué. Où est maman? Comment va-t-elle? Ta maman? Sais-tu, Samuel, que tu as failli la rendre folle? Je sais, grand-mère. Je sais. Il fallait que j'agisse ainsi. C'était la seule façon pour moi d'aider mon ami James. Samuel, tu n'as pas été éduqué pour avoir des amis parmi les drogués, parmi les criminels. Pourtant, tu m'as toujours dit, accueille celui qui est faible dans la foi. Et ce qu'il est, tu t'en passeras. Dieu s'en occupera. Si, accueille celui qui est faible dans la foi. Ce que tu n'as pas fait, Samuel. Maintenant, tu es devenu membre du gang de James. Non, grand-mère, je ne suis membre d'aucun gang. Oui,
Tu es devenu membre du gang de James. Non, grand-mère. Oui, tu l'es. Oui. Maman? Avec qui parles-tu? Je parle à mon fils. Ton fils? Tu rêves ou quoi? Dieu le ramène au bercail. Maman? Tu n'es pas contente qu'il soit de retour? Cogna! C'est vagabond la fête de Hart James. Samuel est ici, Elena. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ici, c'est chez moi, maman. Tu n'es pas gêné de revenir dans cette maison? Pourquoi, maman? Tu n'es plus chez toi. Aurais-tu déjà oublié tout ce que tu m'as fait? Elena, au moins, tu aurais dû être contente de le revoir. J'ai trop souffert pour ce bonhomme, c'en est assez. Tu veux maintenant me mettre à la porte? J'espère que tu es venue ici pour prendre tes vêtements. Pourtant, tu ne voulais pas les remettre à Madame Vachon. Je défendais ma cause, monsieur. Et la cause de ton garçon aussi, maman. Pas seulement bêtise. Je m'excuse pour tout, maman. Tu penses que ton excuse est suffisante? Mais toi aussi, maman, quand tu as quelque chose en tête, tu ne laisses rien passer. Même mon père le disait. Ta mère est une femme qui ne se laisse ni impressionner, ni intimider. Où veux-tu en venir? Mais cela explique tout. Je suis le portrait craché de ma mère. Comme ça, tu me demandes d'oublier tout ce que tu as fait. Non. Donne-moi une dernière chance. Tu ne mérites rien, Samuel. Tu n'aurais pas dû agir ainsi. Je vais t'envoyer chez ton père. Comme ça, tu apprendras la vraie vie avec lui. Parlez-vous au besoin, non, ma chère. Ah! Maman, si Samuel veut rester à la maison, il doit m'obéir. Je t'ai toujours obéi, même dans la désobéissance. Sam, t'es toute ditouée parfois. Laisse-nous un peu, Samuel. Ta mère et moi avons besoin de parler. Pour le moment, tu as besoin de te reposer et de reprendre tes forces. Dans le réfrigérateur, j'ai un risque tendre à vous au pied de bœuf. Tu en prendras un peu? Ok. Après tout, non, mon gros, non? Oui, oui. Cet enfant-là n'est pas fou. Nous devrions remercier le bon Dieu de nous l'avoir confié. Mais tu ne prends pas plaisir dans le mensonge et le désordre. Et Samuel doit comprendre cela dès aujourd'hui. Il n'est jamais facile pour quiconque d'accepter l'évidence. Mais Samuel n'est plus un enfant. Les faits sont là, Elena. Et il faut s'y accommoder. Très bientôt, il ira au collège et il aura à faire des choix. Il aura même une blonde. Et toi, Elena, tu es jeune, belle et coquette. Après tout, tu n'as que 38 ans. Tu n'as même pas encore un soupirant. Aucun amoureux dans ta vie. Maman. Mais quoi? C'est vrai? Tu ne vas pas passer toute ta vie sans avoir un petit ami. Hein? Tu n'as pas encore mon âge, ma fille. Et tu n'es pas non plus de ma génération. Mais toi non plus, maman. Tu n'es pas si vieille. Même si tu as 56 ans, tu portes encore la fraîcheur et la beauté d'une femme de 40 ans. T'imagines le malheur que tu ferais si, au lieu de toujours rester là à la maison, si tu sortais de temps en temps? Bien des hommes retourneraient leur tête sur ton passage. Tu n'es pas sérieuse, Elena. Tu penses que je peux encore séduire à mon âge? Mm-hmm. Tu penses vraiment? Mm-hmm. Ah ouais? L'école aujourd'hui? Oh, pas mal. Pas mal. Il y avait beaucoup de gars dans le quartier qui faisaient du bruit et ouais. Tout ça. Ah, comme toujours. Comme toujours, hein.
C'est regrettable, mais c'est pourquoi je t'ai fait venir ici. Ouais. Je voulais parler à toi pour que tu puisses amener d'autres de tes amis et tout. Tu les as déjà venus? Ouais, mais quelques-uns, ils sont... Ils vont venir? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est tes amis, ça. Okay. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour parler des gangs de rue et tout ça? T'as vu beaucoup de gars aujourd'hui? Ouais. Ils avaient des mouchoirs hein, et ouais. Tout. Et toi, comment ça a été à l'école? C'était cool. C'était cool, ouais. C'est dans les gangs, ça a l'air d'être cool et tout. You know, vous pensez que vous allez avoir des filles, il va y avoir plein de filles avec vous. C'est pas ça. Vous pensez que vous allez faire de l'argent, c'est pas ça. Souvent, on tombe souvent en prison. Bien, on se fait shot, you know. Moi, mon père se fait shot 3 boulettes dans le chest. Puis il est mort, man. Puis j'aimerais pas que la même affaire vous arrive, you know. So, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui vous parler. Je veux que vous fassiez attention. Vous voyez, vous avez des amis. Mais il faut checker les amis que vous avez. Je sais que vous êtes des bons gars. Faut pas lâcher l'école, you know. Faut vraiment pas lâcher l'école. Chacun de vous, j'imagine, vous avez des rêves. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, toi? Informaticien, toi. Chers frères et sœurs, nous avons avec nous un frère qui errait çà et là, qui n'avait pas de projet d'avenir que le Seigneur a ramené dans son église aujourd'hui. Amen. Il s'agit de notre frère James Voltaire. Applaudissons le Seigneur. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je vous souhaite la paix parce que j'ai vécu sans elle toute ma vie. J'ai connu tous les plaisirs du monde. L'alcool, la drogue, le tabac, la musique, les filles, la danse. C'était ça ma vie. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Il m'a même accompagné. La preuve, c'est que je suis là avec vous aujourd'hui. Vous pouvez être la personne la plus riche qui existe sur la terre. Vous pouvez avoir les plus belles maisons, les plus belles voitures, la plus belle femme. Mais si vous n'avez pas la paix, si vous n'avez pas cette paix intérieure, vous ne vivez pas. Amen. Applaudissons le Seigneur. Thank you.
trop gentil avec moi. Témoignage vivant, end to end. Yo, c'est notre histoire. Écoute bien. Écoute bien.